Alors, on va se refaire une SQLé. Hein, c'est bien de voir comment on peut attaquer une application web. J'ai repris des vieux challenges hein, il y a 2-3 ans. Okay. Et on va revoir ça ensemble, comprendre comment bah ouais, ça peut être sensible pour une application web et comment injecter des failles SQL. Donc, on va revoir tous les principes. Okay. Puisque vous savez qu'il y a un paquet d'injections SQL, ce n'est pas avec 2-3 vidéos que vous allez toutes les maîtriser, malheureusement. Okay. Donc, on va se mettre dans le contexte. Donc, après l'attaque de l'année dernière, le Père Noël et l'équipe de sécurité ont travaillé dur pour relancer le portail personnel du Père Noël. En conséquent, le forum 2 du Père Noël a été mis en ligne. Après l'attaque, les journaux ont révélé que quelqu'un a trouvé le panneau du Père Noël sur le site web et s'est connecté à son compte. Après cela, il a pu vider toute la base de données de la liste des cadeaux, obtenir tous les cadeaux 2020. Et l'attaquant a menacé de publier une liste de souhaits.txt contenant toutes les informations. Mais heureusement pour nous, il a été attrapé par le CBI, hein, le Christmas Bureau of Investigation. Donc le 10-10-86 8000, c'est notre petit site. Et on va essayer de reproduire sur cette copie les techniques qui ont été utilisées par l'attaquant. Ok? Donc. Allons voir notre petit site, on va aller faire du Happy Pass, premier truc à faire. Je vous mettrai un nouveau site hein, qui s'appelle Code Academy aussi, hein, qui vous explique toutes les commandes SQL. Hein, vous savez qu'il y a toujours plusieurs sites. Donc voilà, je vous mettrai ça en description hein, pour comprendre un peu plus hein, le SQL. Et les commandes, comment dire, les plus courantes. Hein, les case, les count, les create table, delete, group. Inner join, outer join, insert, like, le fameux like qu'on a utilisé, le max, le min, le or, le order by. Ok? Voilà, ça faut les connaître quand même, parce qu'on s'en sert tout temps. Alors, revenons à nos moutons. Donc, on a un super site qui permet d'échanger des stories, et, enfin des histoires, des souhaits. Ok, donc on voit qu'il y en a qui veulent des laptops, des PlayStation. Nous dit qu'il y a 60% des enfants qui ont du mal à choisir leur cadeau par eux-mêmes. Eh ben la solution, ça va être les fameuses SQLi, hein, les attaques par injection. Donc, je vais répéter des choses que j'ai déjà dit, mais encore une fois, faut que ça rentre, faut que ça rentre. Donc il faut répéter, 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 comme je vous le dis toujours. Donc la SQLi, c'est une injection d'une requête SQL dans une application web distante. Un exploit d'injection SQL réussi peut lire des données sensibles de la base de données, par exemple des noms d'utilisateurs ou des mots de passe, modifier la base de données, ajouter ou supprimer, exécuter des opérations d'administration sur la base de données. Oh, genre arrête-toi, et dans certains cas, même exécuter des commandes sur le système d'exploitation. C'est extrêmement dangereux. Alors, le SQL, c'est un langage de programmation hein, pour parler aux bases de données. C'est un langage extrêmement pratique qui permet aux devs d'organiser facilement les données dans différentes structures. Hein, c'est pour ça qu'on appelle le Structure Query Language, un langage de requête structuré. Malheureusement, l'avantage vient toujours avec un inconvénient. Même une petite erreur de configuration dans le code SQL peut conduire à une injection SQL potentielle. Ok? Donc, allez voir ça avant de. Je le mettrai dans la description. Hein. Essayez de comprendre tout ça avant de continuer la vidéo parce que sinon vous allez être un petit peu perdu. Donc, je retraduis. Hein. On a quoi? On a le from. Enfin, on a le select, choisir. Hein. Le select permet de sélectionner les données à partir d'une base de données. Okay? Ensuite, on a le quoi? On a le fameux from. From 2. 2 permet de spécifier la table à sélectionner ou supprimer les données au choix. Okay? Where, où. Hein. Donc là, c'est notre condition, notre statement, hein, qui permet d'extraire les enregistrements qui remplissent une condition spécifiée. Et l'union, hein, on a travaillé dessus la dernière fois, permet de combiner le jeu de deux résultats d'instructions select ou plus. Ok? Et il est important de mentionner que 1 est égal à 1 signifie true. Hein, c'est un booléen, vrai ou faux. Donc,
Comment ça fonctionne concrètement? Bah là, on va travailler un peu sur un site web. Donc, il y aura du PHP. On va déjà voir comment on peut abuser via une SQLite d'un paramètre PHP get. Okay? En PHP, le get, qu'est-ce qu'il fait? Il récupère la valeur. Vous l'avez bien compris, quand on fait un get, ça parle tout de suite. Donc, par exemple, bah, on a quoi? On va avoir username ou ID dans l'URL hein, d'une page vulnérable, comme celle découverte le jour 2, on verra plus tard. Donc, ce sont quoi? Ce sont généralement des champs de recherche ou des pages de connexion. Hein, et donc, en tant que testeur d'intrusion, vous devez les noter et vous dire qu'elles sont peut-être faillibles. Donc, il faudra les essayer. Donc, imaginons qu'on a un champ de saisie de nom d'utilisateur en PHP. Ça s'écrirait comment? Eh bien, c'est balisé. Hein, donc, on ouvre, on ferme notre PHP. On a quoi? On a la variable username. Là-dessus, on fait quoi? On fait un get et on lui passe le string username en paramètre de la fonction get. Ok, ça va venir récupérer la valeur du username, du nom d'utilisateur. Ensuite, deuxième variable, result, ok, qui est égal à quoi? Bah, à une requête MySQL, ok. C'est une autre fonction qui permet en PHP de faire une requête MySQL, vous l'avez compris. Et là-dedans, bah, on lui passe ce qu'on a envie. Qu'est-ce qu'on va faire si on doit venir chercher le nom d'utilisateur dans une base de données? Si on se base là-dessus, je fais quoi? Je fais un select. Donc, je sélectionne les données à partir de la base de données. Je sélectionne quoi? Astérix, l'étoile. Donc, tout. Donc, je sélectionne toutes les données à partir de la base de données. From, de, la table à sélectionner. À partir de quelle table? À partir de la table user au pluriel. OK? Pourquoi? Bah, parce que je cherche des usernames. Donc, la suite où, where, permet d'extraire les enregistrements qui remplissent une condition spécifiée. Et ben, dans la table, tu me sélectionnes tout dans la base de données à partir de la table utilisateur où quoi? Le nom d'utilisateur est égal à la variable qu'on a déclarée ici. Et là-dessus, on fait quoi? On fait notre get username. Donc, je travaille sur ma variable. Là, j'ouvre single quote. Là, je ferme. Et je mets un double quote ici. Pourquoi je le mets ici? Parce que je l'ai ouvert ici. OK? Point virgule. Fin de l'instruction. Et on referme le code PHP. OK? Donc, on a une variable username qui est entrée dans le code. PHP utilise automatiquement SQL pour sélectionner tous les utilisateurs avec le nom d'utilisateur fourni. OK. C'est ce que nous permet de faire le get sur username. Hein, ça va prendre l'input de l'entrée de l'utilisateur. Et c'est ça qui peut être malheureusement abusé par l'attaquant. Supposons qu'un attaquant, malveillant ou un utilisateur malveillant fournisse un guillemet simple, comme entrée de nom d'utilisateur. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on a vu ici? On a vu where username. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? On encapsule l'entrée utilisateur dans un simple code. Donc là, il va y en avoir trois. On est d'accord. Puisque qu'est-ce qu'a fait notre utilisateur malveillant? Au lieu de mettre Toto, bah, il a mis lui aussi un guillemet simple. Vous voyez déjà le problème. Okay? On ne peut pas avoir trois guillemets. Hein? C'est ce principe. Si j'ouvre avec un guillemet simple, je referme avec un guillemet simple. Si j'ouvre avec un guillemet double, je referme avec un guillemet double. Mais c'est toujours par deux. Hein? 2, 4, 6, 8, 10, 12, vous avez compris. Il ne peut pas y en avoir trois. Trois, c'est un nombre impair. Ça veut dire qu'on a ouvert ou fermé quelque part. On a oublié d'ouvrir ou de fermer quelque part. Donc, c'est une requête mal formée. OK? Donc, comme on peut le voir, hein, ça va générer une erreur puisque le nom d'utilisateur doit être fourni qu'avec deux simple quotes, pas trois. Hein? Et justement, bah, c'est cette erreur, hein, c'est ce qu'on appelle une error based. On va pousser la base SQL à la faute pour pouvoir s'en servir et parvenir à nos fins. Donc, d'une manière générale, l'injection SQL est une attaque dans laquelle votre objectif est de briser la logique d'exécution du code SQL. Hein. Il faut comprendre comment le code PHP, par exemple, ou un autre langage, appelle les requêtes en base de données
et après voir quel type de base de données on attaque, ok? Puisque les charges utiles seront légèrement différentes pour l'une que pour l'autre, et après comprendre comment on casse la logique d'exécution. Ma logique d'exécution, c'est quoi? C'est un code PHP qui appelle une fonction, MySQL Query, pour faire une requête en SQL. Comment je peux déglinguer le bon fonctionnement du site web, de la base de données, pour pouvoir ensuite injecter. OK? Donc, on va briser la logique d'exécution du code, ça c'est très important, et injecter notre logique. Puis de réparer la partie cassée en ajoutant des commentaires à la fin. Hein, je vous dis toujours, on va équilibrer notre charge utile. Ce principe d'équilibrage, ça veut dire la même chose. On va essayer de réparer. Puisque la requête n'est pas acceptée par la base de données, elle nous envoie une erreur. En l'équilibrant, en réparant côté droit, ok, on va pouvoir à nouveau la lancer et elle va être interprétée cette fois-ci. Ça ne casse plus la logique, mais ça détourne la logique, ok, puisqu'on est en train d'injecter une faille, ok. Donc le but le plus dur, c'est de comprendre tous ces mécanismes et de les appliquer. Donc, si on réfléchit sur un exemple, ok, on travaille sur quoi? Sur un site web. À la racine, on a quoi? On a une arborescence qui s'appelle SQL Labs. On a une sous-arborescence qui s'appelle less-1. OK? À partir de là, il y a quoi? Il faut décomposer tout le temps dans votre tête. On a un fichier PHP qui s'appelle index. Et qu'est-ce qu'on lui passe en paramètre? On passe une clé, une variable, un paramètre qui s'appelle ID. OK? Et qui est égal à 1. Sauf que là, le 1, on fait un single quote. Après, on lui dit et 1 est égal à 1. Et vous vous rappelez, nous, avant, on avait fait quoi? On avait fait un tiret tiret espace tiret. Là, on va faire un tiret tiret plus. OK? Qu'est-ce qui se passe? Côté gauche. Côté gauche, équilibrage, centre, équilibrage de droite. OK? C'est vraiment comme ça qu'on travaille. Je vous ai dit, pensez left side, right side et au centre, la charge utile, le code SQL. OK? Si le right side, le left side est pas, le côté gauche n'est pas équilibré avec le côté droit, OK? Le code SQL à l'intérieur ne peut pas s'exécuter. Vous ne pouvez pas faire fonctionner votre injection. OK? Donc déjà, on a un problème. Pourquoi? Parce que le 1 apostrophe, hein, c'est ce qu'on a vu, s'il est tout seul, bah, ça commence à casser la requête SQL. Après, on injecte notre code, notre charge utile. On lui dit, bah écoute, hein, et vérifie que 1 est égal à 1. C'est toujours vrai. Okay? Donc la base de données va dire, ok, pas de problème, ça marche. Et là, c'est l'équilibrage, c'est la réparation. Hein? On va réparer la requête et on va en fait intégrer le code hein, en elle. Hein, elle en fait partie. Là, on casse, là, on répare. Ok? Donc, les commentaires les plus utilisés pour les charges utiles SQLi, on a ça. On a le double slash, slash, ou, comme vous avez vu la dernière fois, on a également le double slash, espace, slash. Ça peut marcher aussi. Ok? Donc, contournement de connexion avec une injection SQL. Ok? Donc, ça, c'est une des applications les plus puissantes, c'est qu'on va pouvoir contourner les connexions. Hein, ça permet à un attaquant, avec n'importe quel compte, tant qu'il connaît son nom d'utilisateur ou son mot de passe, hein, le plus on va, on connaît plus facilement le nom d'utilisateur, et on va venir injecter dans un des deux champs, ok? Quoi? Eh ben, notre faille, ok? Donc tout d'abord, voyons comment on peut le faire. On a encore une fois un code PHP qui va vérifier le nom d'utilisateur et le mot de passe correspondant en base de données. Okay. Donc là maintenant vous devriez le lire. Je sélectionne quoi? C'est plus wildcard. Je veux le nom d'utilisateur et le mot de passe à partir de la table d'utilisateur ou les noms d'utilisateur, le get sur username, ce que va rentrer l'utilisateur, pardon, et la variable. Pareil, get sur password. Ok. Donc ça va prendre en entrée ce qu'a tapé l'utilisateur. À la fois le nom
et à la fois le mot de passe. OK? Je vous dis là. Donc, que se passe-t-il si nous faisons un single quote ou un trou tiré tiré? OK? Et ben, ça va transformer la requête. On est d'accord. Si je commence à faire un single, ça va mettre username, tac tac, or true et password, tac tac. OK? Donc, le tiret tiret, il sert à quoi? Bah, ça commente la partie où ça vérifie le mot de passe. OK? Vous vous rappelez que à partir du moment où on commente, on exclut. Ça veut dire que ça, c'est plus vérifié. OK? Donc, ça fait oublier à l'application de vérifier que le mot de passe est correct. Cette astuce nous permet de nous connecter avec n'importe quel compte en mettant simplement un nom d'utilisateur et une charge utile après. OK? Qu'est-ce que ça va dire? Ça veut dire, bah écoute, ouais, Toto, le hacker, 1 est égal à 1. OK, c'est vrai. C'est true. Et si c'est true, eh ben c'est bon. OK? Là, on a mis true. Mais on aurait pu mettre quoi? On aurait pu mettre 1 est égal à 1. Ça revient au même. OK? C'est un statement qu'on lui demande. Est-ce que true est true? Bah oui, true est toujours true, vrai est toujours vrai, ok? Faux est toujours faux, ok? C'est un booléen. Et 1 est égal à 1 en mathématiques, ok? 1 est toujours égal à 1 si on entend un entier et entre guillemets 1 est égal à entre guillemets 1, oui, bah deux chaînes de caractères, le string 1 est égal au string 1. C'est-à-dire que la chaîne de caractères qui comprend quoi dedans? 1 est égale à la chaîne de caractères qui comprend 1. Vous l'avez compris. Donc c'est toujours vrai qu'on travaille sur des entiers, qu'on travaille sur des chaînes. OK? Donc, notez que certains sites web peuvent utiliser une requête SQL différente. Qu'est-ce qu'on aura là? Username pass, where username. Alors là, quelle est la différence concrètement? On va utiliser des parenthèse. OK? C'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Dans ce cas-là, il faut casser. Comment? On va ajouter. Vous vous rappelez de ça? On avait fait ça. Et notre trou pour que cela fonctionne. OK? Donc, typiquement, c'est ce qu'on avait fait la dernière fois. Il y avait des histoires de parenthèses. Donc, il faut casser en fonction. Donc, retenez. Qu'est-ce qu'on a? Ça. C'est possible. Ou sinon, pensez à ajouter la parenthèse ici. Et le trou espace tiré tiré devient trou tiré. OK? Donc ça, c'est pareil. Avec l'expérience, hein, il faudra trouver. OK? Puisque ça, je peux tester, ça ne marchera pas. OK? Ne marche pas. Mais je sais que ce payload est censé marcher. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Vous l'avez compris. Déjà, faire true. On aurait pu faire quoi? Essayer celui de la dernière fois? Ça? True, true, espace? En mettant quoi? Un point virgule ici? Ça aurait marché, ça? Non. Ok, parce que vous voyez que c'est pas formé. Donc, c'est pas tout le temps le bypass que je vous ai montré la dernière fois. Celui-là, il marchait dans le contexte. Ici, vous voyez que il faut quoi? Il faut un espace. Deux, un espace. Et là, ça passe. OK? Donc ça, faut bien comprendre tout ça. Donc ce qu'on disait, hein, c'est si il n'y a pas, enfin il y a des limitations au niveau de l'affichage de l'erreur, il faut les faire en aveugle, hein, il n'y a pas le choix. Donc les blind SQL injection s'appuient sur la modification apportée à une application web pendant l'attaque. En d'autres termes, une erreur dans la requête SQL sera perceptible sous une autre forme. C'est-à-dire quoi? Là, on va voir directement l'interaction avec le site web. Hein, il va y avoir un contenu modifié ou autre chose. Étant donné que dans cette situation, nous ne pouvons pas voir si une erreur est produite ou non, hein, une SQL en aveugle effectue en posant des questions. Oui, non, à la base de données. Erreur est égal à non, pas d'erreur est égal à oui. Retenez bien ça. Grâce à système, un attaquant peut deviner le nom de la base de données, lire des colonnes et tout ça. Les blind SQLi prennent plus de temps. C'est les plus compliqués. Hein, puisque par nature, on n'a pas d'erreur, donc on ne peut pas se baser là-dessus. Ça demande beaucoup plus de compétences et de temps. OK? Donc, voyons un moyen
Un exemple simple, pardon. Comment on peut provoquer l'erreur SQL? Ok? Donc là, l'ID est égal à 1, on commence à injecter quoi? Un guillemet simple. Ok? Qu'est-ce que ça fait? Ça casse la requête. Ok? Donc il faut l'équilibrer. Pour l'équilibrer, qu'est-ce qu'on fait? Si on a mis un 1, on peut mettre, comme on l'a vu, un tiret tiret plus. Ok? À partir de là, on voit qu'on est dans. Hein, on est dans la base de données, mais on ne le sait pas. Enfin, on le sait parce qu'on a une très très bonne connaissance de SQL en fait. C'est pour ça que je vous ai dit, faire des injections SQLi, si vous ne maîtrisez pas SQL, un minimum, ça va être très très compliqué. Vous pourrez faire des injections simples, mais des blind injections, vous n'y arriverez pas. Parce qu'il faut parfaitement savoir ce qu'on fait et où on va. Ok? Donc on voit que là, l'application n'a généré aucune erreur. Hein? Même si, en théorie, on a commencé à casser et causer une erreur SQL. Okay? Donc ensuite, on peut utiliser la fonction substring, hein, qui nous permet de travailler sur des sous-chaînes. Ça extrait la valeur d'une sous-chaîne. Enfin, ça extrait une sous-chaîne d'une chaîne, pardon. Et ça nous permet de comparer la sous-chaîne à un caractère ASCII personnalisé. Okay? C'est ce qu'on avait fait la dernière fois. Vous vous rappelez? On avait pris nos valeurs. On les avait convertis en hexadécimal, hein, et on avait dit quoi? On avait fait notre fameux 1-1 en utilisant les substrings. Et là, un par un, notre script Python, hein, était venu énumérer le mot de passe de la base de données. OK? Donc le code, si tu demandes à la base de données la première lettre de son nom, si elle est égale à 115, je sais pas pourquoi ils mettent 155. Table ASCII, on va aller voir qu'est-ce qu'il nous dit. Donc ça, pareil, toujours l'avoir sous la main, ça va vous rendre 115. Ouais, il s'est trompé. Putain, les mecs, ils se relisent même pas, quoi. C'est un truc de dingue quand même, quand ils pensent. Ils font des CTF, ils se relisent même pas. Donc c'est 115 comme il a mis là, pas comme il a mis là. Ok. Je vais traduire 2 secondes. Ok. Donc, donc là, qu'est-ce qu'il fait? Substring, on a vu, il extrait une sous-chaîne d'une chaîne et il nous permet de comparer la sous-chaîne à un caractère ASCII personnalisé. Donc là, on commence à travailler dessus. On a quoi? On avait notre substring et on passait quoi? On passait select database, la fonction hein, 1, 1. On continue à faire ça et vous voyez, on encapsule. Ok? On rajoute encore des parenthèses et on passe le paramètre, des paramètres en paramètres. Hein? Je m'explique. On avait ça. Maintenant, notre charge utile, elle est où? Elle est là. Ok? Et qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on a rajouté tout ce qui n'est pas en blanc. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait notre bypass, déjà, hein, enfin, l'équilibrage à droite, avec le tiret tiret plus, ok? On passe quoi? On passe ASCII, hein, ASCII, hop, et on passe tout ça en paramètres. Ok? On est d'accord? Et end, et l'ID, hein, donc, c'est comme si ici, on faisait point d'interrogation, ID est égal à 1 avec le single quote. S'il y a le single quote là, on équilibre là. D'accord? Et qu'est-ce que je vous ai dit? Gauche, droite, au milieu, charge utile.
code SQL. Gauche, droite, au milieu, charge utile, SQL, code SQL. Gauche, droite, code SQL. Ok? La charge utile est la question, en fait. Hein? Si l'application ne produit aucune modification, la réponse est oui. La première lettre de la base de données est S. Toute autre erreur est non. Ok? Donc nous, on parlait de quoi? On parlait des blinds. Et il y a des blinds time-based, il y a des blinds boolean-based. Hein, là, nous, on a fait du boolean-based. Hein. C'est ce qu'ils vous disent là. Union. Hein, on avait utilisé quelques-unes la dernière fois. Elles sont utilisées pour l'énumération rapide des bases de données, car l'opérateur union vous permet de combiner les résultats de plusieurs instructions select à la fois, comme on a vu au début. Donc une union SQLi, trois étapes. D'abord, il nous faut rechercher le nombre de colonnes, vérifier si les colonnes sont appropriées, et attaquer et obtenir des données intéressantes. OK? Donc, détermination de colonnes requises par une attaque union pour une injection SQL. Il y a deux façons d'en détecter une. La première, en fait, consiste à injecter une série de requêtes order by jusqu'à que l'erreur se produise. OK? On va chaîner l'attaque, hein, typiquement order by one, by deux, by trois, hein, jusqu'à qu'une erreur apparaissent. La seconde, la plus courante, la plus efficace, consisterait à soumettre. Et oui, attendez, excusez-moi, je vais trop vite. Et la dernière valeur avant l'erreur indique le nombre de colonnes. OK? La seconde, la plus courante et la plus efficace, consisterait à soumettre une série de charges utiles, union select, avec un certain nombre de valeurs nulles. C'est ce que je vous ai montré la dernière fois. Vous vous rappelez, pareil, on a chaîné. Et on a fait du nul, 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 1, 2, 3, 4, hein, jusqu'à que ça pousse. Bien sûr, hein, quand je vous dis chaîner, on les met pas à la ligne, ça ne marchera pas. Hein. Vous testez d'abord ça, vous l'avez bien compris. Après, vous testez ça. Après, vous testez ça. Là, c'est pareil. Hein. Si vous injectez ça ne va pas marcher. Vous injectez ça, après, vous injectez ça, après, séquentiellement. OK? Donc, aucune erreur, le nombre de valeurs nulles correspond au nombre de colonnes. Hein, c'est ce qu'on avait vu. Donc, en règle générale, les données intéressantes que vous souhaitez récupérer sont sous forme de chaîne. Hein, si je veux récupérer des mots de passe, bah oui, c'est une chaîne de caractères. Hein. Après avoir déterminé le nombre de colonnes requises, par exemple 4, vous pouvez sonder chaque colonne pour tester si elle peut contenir des données de chaîne en remplaçant l'une des charges utiles, union select, par la valeur de la chaîne. C'est ce qu'on a fait la dernière fois. Hein. On a poussé, vous vous rappelez, on travaillait sur 1, sur 2, sur A, ce que vous voulez en fait. Hein. Donc là, commencez là. Après, on décale. Après, on la met en troisième position. Après, on la met en quatrième position. Aucune erreur, le type de données est utile pour nous. Hein, ça veut dire que c'est un string, en fait. Hein. Donc, s'il est là, ça sera là le string. S'il c'est dans la 2 qui sera un string, etc., etc. Donc, vous pouvez déterminer le nombre de colonnes. Lorsqu'on a déterminé, pardon, le nombre de colonnes et trouvé quelle colonne peut contenir des chaînes, hein, donc, pour nous, du texte. On peut enfin commencer à tenter de récupérer les données intéressantes. Alors, on va supposer que les deux premières étapes montraient qu'on avait deux colonnes existantes avec un type de données utile, à savoir des strings, des chaînes de caractères. La base de données contient une table appelée users, ok, avec des colonnes, avec les colonnes, pardon, nom d'utilisateur et mot de passe. Hein, vous vous rappelez, dans une table, on a quoi? C'est comme un tableur Excel. On a quoi? On a des colonnes, on a des lignes. Les colonnes, c'est les columns, et les lignes, c'est les rows. OK? Dans ce cas, vous pouvez récupérer le contenu de la table de l'utilisateur en soumettant l'entrée suivante. OK? Voici une petite chose. Base de données, utilisateur, version, nom d'utilisateur, mot de passe, table, colonne name. OK? Donc là, on va travailler là-dessus. SQL Map. On va voir vite fait, je vous en ai parlé.
Donc, c'est un outil d'intrusion open source qui automatise le processus de détection et d'exploitation des failles d'injection SQL et de prise en charge des serveurs de base de données. C'est un outil incroyable qui peut être appris en quelques minutes. Ouais, là ils abusent un peu. Donc, vous pouvez le cloner à partir de là. Okay. On lui donne une URL. On lui dit le type de base à attaquer. Dump, ça va vider les données dans la base de données que l'application utilise. Dump all, on veut tout, toute la base de données. Lot s'exécutera automatiquement et ne demande pas d'entrée utilisateur. C'est marrant, celui-là, je n'ai jamais utilisé. Donc, si on doit attaquer login.php hein, sur ce serveur, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui passer en URL hein, le truc. Et. Bah, à la limite, essayer de faire un lot. On verra. Ok. Et on peut ensuite procéder et énumérer quelques données se trouvent dans la base de données en donnant les options tab ou colonne. Hein? Donc, typiquement, on pourra lui demander ça. Et une fois qu'on a trouvé, on va demander les tabs. Donc, quand on le fait à la main, hein, qu'on ne demande pas d'automatiser tout pour nous, vous pouvez le faire. Ok. Mais généralement, on va avoir 5-6 étapes. Hein. Il faut rechercher d'abord les tables, ensuite les énumérer, trouver les colonnes qu'on va venir appeler, okay, et après demander en fonction des colonnes qu'on lui donne le vidage de la table pour récupérer notamment des mots de passe. Okay. Soit vous faites manuel avec SQL Map, soit vous faites automatique avec SQL Map. Okay. Et même mode très automatique où vous avez le. Automatiquement. Je suis curieux de savoir parce que là. Oh, cool. Donc là, on a un cheat sheet. Parfait, je vous mettrai tout ça. Donc. Ensuite, on a beurre. Hein, vous le savez. Donc burp, comment on va faire ça? Bon, on va faire une attaque, on va passer en mode proxy, on va intercepter naturellement la requête, la méthode get hein, vers my application. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que username, il y a une valeur qui est passée dedans. On a un cookie de session. Ok. Là, qu'est-ce qu'on fait? On peut bidouiller la requête upgrade insecure request, la mettre sur 1. Ok, c'est une attaque de downgrade, ça veut dire qu'il y a certaines vérifications qui ne vont plus être faites. Ok, et après, ben, on va utiliser voilà, save event, on sauvegarde, et à partir de là, on va venir attaquer par SQL Map. Hein. Et on demande à SQL Map en fait de lui dire, bah, écoute, tu vois, avec burp, je t'ai mâché le travail. J'ai intercepté le cookie, comme ça lui il a tout. Sinon il vous les demande, ok? Donc parfois, franchement, moi je préfère même passer par burp et faire cette technique que devoir renseigner tous les champs. Ça peut être un petit peu fastidieux, ok? On peut essayer d'injecter. Okay, on va faire un search. Erreur. P. P syntaxe erreur. Donc, vous voyez qu'on est en train de pousser à la faute. Ok, on va continuer, continuer, continuer. Qu'est-ce que je peux lui mettre? Ouh. 1 est égal à 1. Unrecognized token. Ok, qu'est-ce qu'on a vu? On essaye. 1 plus. Ah, ça marche. 1 tiré, tiré, tout court. Ça passe aussi. Ok, on récupère toute la liste. Des enfants, toute la liste des cadeaux. Ok? On voit qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22. Ok? Paul, qu'est-ce qu'il a demandé? Et où notre ami Paul, contrôle F, vous emmerdez pas, Paul, il a demandé d'avoir un accès à GitHub, un abonnement. Quel est le drapeau? Zoomer, je vois rien.
On va lui dire hop 1 ou 1 est égal à 1. Super. Donc là, on est dans le Santa panel. Je vais lui dire donc maintenant j'intercepte. Pousse. On récupère, parfait. Là, vous voyez quoi? Je vais lui dire, on passe au repeater. Dans le repeater, on se prend ça. Je vais lui dire, on va sauver dans un fichier qui s'appelle SQLi. SQL Map. Je lui demande quoi? Bon, on va faire séquentiel. Je lui demande de prendre mon fichier, hein, la fameuse requête qu'on a extraite, sauvegardée. Dans Burp. Vous récupérez quoi? Ok, Lask, vous allez sur son GitHub. Ok, notre ami français, étudiant en cybersécurité, parfait. Et notre Ludovic Coulon, il a fait quoi? Il a fait Hacking Tools. Ok, téléchargez-le. Et après, typiquement, qu'est-ce qu'on fait? On fait des SQLi. On a du générique, là on a testé avec du générique, on aurait pu tester avec quoi? Avec du Outbase aussi, là, basé sur l'authentification. Donc en fait, il y a deux erreurs qu'on fait quand on débute. Hein, c'est pour ça qu'il faut bien lire les informations et comprendre en fait. Hein, du MS SQL, du MySQL, c'est pas la même chose. Du SQLite, attaqué en base de données, bah, c'est pas du MySQL, ainsi de suite. Vous avez bien compris. Et en fonction des paramètres dans SQL Map, eh ben, votre attaque peut marcher ou elle peut complètement foirer. Ok, c'est là que c'est vraiment très important. Il nous dit déjà, j'ai installé un pare-feu, un WAF, un Web Application Firewall. N'oublie pas cette commande, space to command, hein, pour pouvoir contourner le pare-feu. Et qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Il a dit, ah, hein, n'oublie pas que d'autres systèmes bases de données sont mieux que SQLite. Donc c'est une indication. Je m'explique. Là, on a fait tout le nécessaire. Cependant, hein, si je lance, voilà, on va faire séquentiellement. Je lance ça, hein, comme ils nous ont dit au tout début. Qu'est-ce qui se passe? Ok, là, il nous dit, c'est bien du SQLite. Ok, et il nous trouve une injection qui est possible. Donc, plus vous allez rentrer de paramètres, plus l'attaque va être facile, ok? Et moins il vous demande, il vous posera de questions. Qu'est-ce que j'entends par là? On sait que maintenant c'est du SQLite, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on va lui mettre DBMS, l'argument SQLite, ok? Je vais faire un dump all pour dumper toutes les tables et je vais utiliser le dumper space to command pour contourner le WAF, le Web Application Firewall. On fait ça. Et là, vous voyez que direct, il vous pose même plus de questions. Il envoie, il balance la sauce. Voilà. Et on dump les fameuses, hein, ce qu'on avait vu, nos tables, hein, la table SQL. On avait ce qui nous intéressait, mais nous, on avait quoi? Une table qui était cachée également dans la base de données. Et c'est là qu'on a notre flag. OK? Donc vous voyez, là, on avait beau interagir avec quoi? Avec notre application. Concrètement, qu'est-ce qui se passait? On avait accès que, vous l'avez bien compris, Gift Child. Donc on avait accès à quoi? Eh ben, à cette fameuse table. Hein? Gift
Child, kid, age, ok? Title. Donc, avec SQL Map, l'avantage, hein, c'est qu'on peut aller taper ailleurs. Et ça, c'est intéressant. Ok? Et on a le password pour l'admin. Ok? Donc, on récupère des informations de valeur. Et vous voyez comment, là, je vais demander de dumper toutes les tables. Et c'est extrêmement pratique. Hein, SQL Map est très très puissant pour peu que vous sachiez un peu l'utiliser. Donc ça c'est bien, mais c'est bien aussi de comprendre comment on les fait à la main. Techniquement, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que si on remonte un peu, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit quoi? Il nous dit quoi? Il nous dit quoi? Il y a une non-query. Il nous dit, écoute, ton paramètre search là via le get, hein, y a une faille, typiquement. Hein, on peut faire un union select. Okay? Donc, lui, il a utilisé une requête via des nuls sur le paramètre search, hein, qui fait le get, et il fait un union query et il arrive à dropper les tables. Maintenant, on va essayer de le faire à la main. Okay? Parce que je vous ai dit, c'est bien d'automatiser, mais si vous comprenez pas les mécaniques, ça n'a aucun intérêt. Donc qu'est-ce qu'on a vu nous? Ça on dégage. On a vu qu'on pouvait faire un bypass hein, avec un simple quote or est égal à 1. Ok, on arrive là-dessus. Là, vous avez vu. Je peux faire des recherches. Je peux chercher Marco. Auto. Ok. Auto. Ok. Truc, c'est que bah, si c'est pas dans la base de données, il n'y a rien de bien sexy. Alors, comment on peut commencer à fuser la base de données? On a vu que les unions SQLi, elles sont principalement utilisées pour énumérer rapidement les bases de données. Hein, l'opérateur union vous permet de combiner les résultats de plusieurs instructions select à la fois. Donc, on va rechercher un nombre de colonnes, on va vérifier si les colonnes sont appropriées et on va attaquer et obtenir les données intéressantes. Première étape, détermination du nombre de colonnes requises pour une attaque union par injection SQL. OK? On avait vu quoi? On avait vu qu'on a deux façons d'en détecter une. La première, c'est injecter des séries de requêtes order by jusqu'à qu'il y ait une erreur qui se produise. Je m'explique. Hop, order, by, hein, et on avait vu, on teste le payload 1. Ça passe. Ok, là, je lui dis, bah écoute, tu fais notre fameux order by, hein, et regarde techniquement comment ça évolue. Hein, tu vas aller requêter en base de données, et je veux que tu me donnes ça, en fait. Donc, l'order by. Si je schématise, qu'est-ce que je peux lui dire? Je peux lui dire. Peux lui dire quoi? Si on travaille sur une requête SQL, je vais lui faire par exemple un select. Select, ok, je vais lui dire, écoute, je te donne une colonne, ok? Un nom de colonne. Vous savez, on a vu, il y a des colonnes et des rows, hein, des colonnes et des lignes. Donc, je lui donne ça. Après, je lui dis, bah écoute, un from, hein, notre fameux from. Là, vous savez qu'on travaille sur des tables. Je vais lui donner le nom de la table et notre fameuse instruction, le order by. Ok? Là, je vais lui dire quoi? Je vais lui dire, bah tu ordonnes par rapport à la table que je t'ai donnée, quoi? Le nom de colonne, ok?
et je peux lui demander un ASAD. OK? C'est-à-dire que là, par ordre croissant, OK? Ou je peux lui dire par ordre descendant, hein, décroissant, ascendant ou descendant. OK? Comme on veut. Et fin de l'instruction. Qu'est-ce que ça va faire? Vous avez bien compris. Ça va sélectionner le nom de la colonne à partir de la table qu'on lui donne. Et soit on fait un tri croissant, soit un tri décroissant au niveau du nom de la colonne. OK? Donc c'est une clause qui indique en fait hein, comment vous voulez trier le résultat en fonction d'une colonne particulière. Et on peut quoi? On peut soit l'ordonner, l'ordonnancer, pardon, enfin, la trier, pardon, par ordre alphabétique, soit par ordre numérique. OK? Là, vous avez bien compris qu'on demande de faire un tri numériquement. OK? Comment je sais ça? Ben, si je reviens un peu, je mets maintenant 2. Là, au début, on a quoi? On a McDonald's, Mills, hein, Thomas. Vois que maintenant, McDonald's, Mills, il se retrouve là. Hein? Raspberry Pi, ça devient Andrew. 3. Ah, merde, qu'est-ce qui se passe? Il nous dit erreur. Hein? Le premier order by est hors limite, out of range. Hein? Tu dois choisir entre 1 et 2. Vous voyez où je veux en venir? Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? On a vu que la première type d'attaque hein, en manuel, c'est quoi? C'est de pousser à la faute, justement, en utilisant quoi? En utilisant notre order by. OK? Jusqu'à que quoi? Jusqu'à qu'il y ait une erreur qui nous indique quoi? Eh ben, le nombre de colonnes. Donc, vous voyez comment on fait des attaques là? Ce n'est pas des blinds, c'est des error-based. Comment je sais ça? Bah parce qu'il y a une erreur qui me dit, écoute, là, tu es en dehors de l'intervalle, hein, out of range, tu es hors limite, il n'y a que 2 colonnes. OK? Donc déjà, je sais que l'erreur, la dernière valeur avant l'erreur, indique le nombre de colonnes. OK? Si je mets 3, il me dit, bah ouais, test entre 1 et 2. Et si je mets 2, ça passe. C'est la limite. OK? Donc, il y a 2 colonnes. On sait qu'on travaille sur 2 colonnes. Qu'est-ce qu'on a vu ensuite? On a vu qu'il y avait une deuxième technique qui est plus courante et plus efficace, qui consisterait à soumettre une série de charges utiles via nos union select. OK? Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que si on fait un union select nul, hein, et qu'on incrémente notre charge utile, encore une fois, jusqu'à atteindre quoi? Bah, l'erreur. S'il n'y a aucune erreur, le nombre de valeurs nulles correspond au nombre de colonnes. Et on va faire une recherche de colonnes avec un type de données utile dans une des attaques union par injection SQL par la suite. OK? Je m'explique. Reprenons. Deuxième type de charge utile. On va faire un union. OK? Je vais lui dire union select. On travaille sur un nul. On l'a vu. OK? Et tac tac. Qu'est-ce qu'il nous dit? Erreur. Le select de gauche avec l'union de droite ne peut pas avoir le même nombre de résultats au niveau de ces colonnes. OK? Donc ça passe pas. OK, ça passe pas, mais qu'est-ce que je peux faire? Vous l'avez vu, vous vous rappelez? Hop, on incrémente. Ah, là ça passe. Donc, je résume, avec un nul, c'est mort, erreur. Avec 2 nuls, ça passe. Avec 3 nuls. Donc, vous avez compris, 1, c'est mort. 3, c'est mort. 2, ça passe. Quelle est la valeur médiane entre 1 et 3, entre un intervalle de 1 et 3, bah c'est 2, vous l'avez bien compris. OK, donc c'est sur le 2 qu'on va venir travailler.
Ok, donc maintenant je sais qu'il y en a deux, mais je veux quoi? Je veux récupérer des chaînes. Parce que si j'ai besoin d'utilisateurs, si j'ai besoin de mots de passe, moi je travaille pas hein, sur des chiffres, je travaille sur des chaînes de caractères. Il peut y avoir des chiffres, mais il faut que ça soit dans mes chaînes de caractères. Ok? Donc partons du principe qu'on a quoi? Qu'on a encore une fois des tables avec des utilisateurs, avec les colonnes. Et des noms d'utilisateurs, de mots de passe. Ok? Typiquement, c'est ce qu'on va faire. Donc, il faut qu'on détermine le nombre de colonnes et qu'on trouve quelle colonne peut contenir des chaînes de données afin de pouvoir récupérer des données intéressantes. Ok? Donc, je reprends, je reviens en arrière. C'est quoi le payload qui marche? Ça ne marche pas. Hein? Ça marche. Ok. Qu'est-ce qu'on a vu? Je teste avec une chaîne. T, A, Auto. No such column, Toto. Ok. Sauf que, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que c'est une chaîne. Donc, pensez. Dites-lui que c'est une chaîne. Vous voyez comment la différence, hein? Vous voyez comment de simples oublis, hein, ça peut vous coûter. Eh ben, une erreur. Ok? Et vous allez vous dire, putain, ça marche pas. C'est juste parce que vous avez oublié qu'on traitait une chaîne. Une chaîne, on la met tout le temps. Entre single quote. Ok? Et prenez l'habitude d'utiliser des single quotes et pas des double quotes. Ça peut marcher aussi avec des double quotes, mais il y a certains langages qui vous bloqueront. Ok? Travaillez tout le temps des chaînes de caractères avec des guillemets simples. Ok? Même si, des fois, par convention, c'est interchangeable. Mais. Pour pas qu'il y ait d'erreur, prenez cette habitude, ok, de toujours utiliser des guillemets simples. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que 90% du temps, quand vous mettrez dans des guillemets doubles, ok, lors d'injection ou quand vous faites des payloads en bash, par exemple, eh ben, le double guillemet va passer, ok, mais parfois il passera pas. Hein. Le meilleur exemple que je peux vous donner, revenons, quand on stabilise un shell, qu'est-ce que je fais? Je fais un, j'appelle Python, hein, l'interpréteur, je fais un tiret C, et là j'ouvre, je fais un simple, je lui demande quoi? Je lui demande un import, pty, hein, pty, je lui demande un spawn, ok, et un bin bash. Mais il y a une raison. Il y a une raison. Pourquoi là je mets un double? Pourquoi là, à la limite, je mets pas un... je fais pas ça? Bah tout simplement, dans ce cas de figure. Ça peut marcher, mais il y a de fortes chances que ça fasse planter la charge utile. Pourquoi? Parce que, eh ben, ne me demandez pas, bash est très sensible aux guillemets doubles et aux guillemets simples. Et lui, c'est des simples. Donc, si vous prenez l'habitude, ok, ça peut marcher. Par contre, ça ne marchera pas. Je vous montrerai un exemple la prochaine fois qu'on récupère une main sur un système. Ok? On fera le test, vous verrez. Donc, ce que je vous disais, prenez l'habitude. Prenez l'habitude de tout le temps, hein, quand vous avez besoin de quoi, d'encapsuler une charge, de traiter, hein, quand on traite une charge, on la met entre guillemets simple. Ok? Prenez cette habitude. Et des fois, ça ne marchera pas. Il faudra tester avec les doubles. Ok? Et avec l'expérience, vous verrez. Hein, de toute façon, il n'y a pas de secret. Si vous voyez qu'avec les doubles, ça ne marche pas, vous testez un simple. OK? Alors, revenons à notre exemple. Donc là, j'ai vu que Toto, ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Ben, on peut en déduire que la première colonne, on n'a que deux colonnes, et la première colonne, c'est bien des strings, c'est bien des chaînes qu'on peut traiter. Maintenant, je vais essayer la deuxième. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a récupéré les informations. Je sais que j'ai deux colonnes et que ces deux colonnes, grâce à mes charges utiles, quoi, sont capables de gérer des strings. Donc, il y a quoi dans ces colonnes? Il y a des données. C'est des caractères. Hein? Et la preuve en est, on les a sous les yeux. RockyTable, c'est un string, c'est une chaîne de caractères. Bike, c'est une chaîne de caractères. Chair, c'est une chaîne de caractères.
Ok? Christopher, c'est une chaîne de caractères. Richard, c'est une chaîne de caractères. Etc. Etc. Toto, c'est une chaîne de caractères. Ok? Donc là, on a injecté notre petite feuille. Et bah, maintenant, il nous faut récupérer quoi? Il nous faut récupérer. Bah, j'aimerais bien avoir, moi, par exemple, quoi? Récupérer la table utilisateur et avoir les mots de passe. Ça pourrait être intéressant. Comment on peut faire ça? On a vu qu'on a ce payload qui marche, ok? L'union select. Maintenant, qu'est-ce que je peux lui dire? Plutôt que nul, toto, tout ça. Hein? On repart sur une requête classique. Ça, c'est pour fuzzer. Maintenant qu'on sait que le fuzz, ça marche, je reviens sur un classique. Qu'est-ce qu'on a vu en SQL? Je peux lui demander quoi? Username password. Ok. À partir de la table users. Ok. Bypass. Ok. Donc ça, faut bien, bien, bien le comprendre. Ok. Voyez comment on se sert, comment on trouve l'endroit qui nous intéresse. Et on vient ensuite injecter, remplacer nos valeurs nulles par quelque chose qui nous intéresse. Ok? Je sais que je fais quoi? Je fais mon select hein, et je prends les deux colonnes qui m'intéressent. Hein. Dans la table utilisateur, j'ai quoi? J'ai deux colonnes qui m'intéressent. J'ai username et j'ai password. Ça tombe bien, tout à l'heure j'ai testé quoi? Eh bah ben ouais, username, c'est une chaîne de caractères. Hein. Donc la colonne, c'est bien chaîne de caractères. Password. C'est aussi un string, chaîne de caractères. Et la preuve en est, hein, quand je demande le résultat, parfaitement. Dans Gift, on a des chaînes de caractères, on a admin, ok? Dans Child, on a des chaînes de caractères, on a la chaîne de caractères qui définit le mot de passe de l'administrateur. Ok? Donc ça, comprenez bien, hein.